Hey Matelot, ici Defrop pour le troisième épisode de Projet Genesis 2. Hop! Donc, par rapport aux premiers épisodes qui sont sortis, j'ai vu qu'il y avait eu quelques fails, parce que je les ai mis en ligne, hein, du coup les premiers épisodes là, je les ai pas mis encore en public au moment où je tourne cette vidéo. Mais du coup, je les ai vus et j'ai vu qu'il y avait quelques fails dans le montage, hein, donc voilà, j'essaye quelques trucs, j'essaye des choses. De temps en temps. Donc là, forcément, ça a pas fait tout à fait ce que je voulais. Mais enfin, ça devrait être rattrapable au fur et à mesure. J'espère que vous m'entendrez par rigueur. Voilà. Donc, les améliorations, les changements que j'ai fait hors caméra par rapport au précédent épisode, c'est que j'ai un petit peu amélioré le terraforming à ce niveau-là, il me semble. Toutes ces parties-là, vous ne l'avez pas vu. J'ai un peu repensé comment dire, l'architecture du quartier, des quartiers que je vais faire. Et je pense qu'au lieu de faire deux quartiers séparés, je vais en faire un seul gros, notamment. Alors, ça non plus, vous l'aviez pas vu, au dernier épisode, il y avait encore un massif montagneux à ce niveau-là. Il n'y en a plus, comme vous pouvez le voir. Et j'ai fait une espèce de lac artificiel. Alors, j'ai essayé de garder une forme de cohérence dans le paysage. Ça, j'y suis assez attaché. Garder une forme de cohérence dans le paysage, ce qui m'a d'ailleurs pas mal posé des questions sur l'esthétique globale qu'elle va avoir la série. Parce que je pensais vraiment faire un truc à la. À la. Comment ça s'appelle cette ville-là? À la Dubaï, c'est-à-dire on part de rien, on rase tout et on fait tout ce qu'on veut et on crée à partir de rien. Sauf qu'effectivement, je ne pars pas de rien, là je pars d'un paysage qui est déjà là et qui est déjà intéressant à exploiter en tant que tel. Donc je me suis dit, ce serait dommage quand même. Et du coup, j'ai repensé un peu les quartiers en fonction de ça et un peu repensé tout ça. Donc là, vous voyez, il n'y avait pas de lac à ce niveau-là avant. Et j'étais embêté parce que je voulais le faire, donc là il est là maintenant, j'espère qu'il est assez naturel, plus ou moins, bon on va dire que voilà. Et l'idée à la base c'était de faire une rivière en fait, un canal naturel entre ce lac là et le gros lac qu'on a ici. Et du coup je me suis rendu compte qu'en fait il y avait une vallée par là, que j'ai donc élargie, j'ai laissé des fleuves passer dedans. Et bon, voilà, là on voit que c'était plutôt un canal qu'un fleuve. Hein, enfin, oui, non, oui, c'est un canal, hein, c'est même pas. Voilà. Que j'essaie de faire un peu à peu près naturel. Voilà. Et donc j'ai creusé ça là. Et en fait, il y a une rivière hein, qui est à ce niveau-là, qui rejoint. Qui est passée près d'une. Bah, vous allez voir. Je trouve pas forcément mes mots sur le coup, mais qui passe près en fait d'un terrain plat qui était à côté de mon lac que j'ai fait. Donc en fait, il y avait un espèce de creux ici, je l'ai approfondi beaucoup, et juste à côté, il y avait une faille. Il y a toujours une faille d'ailleurs, hein, que j'ai juste mis de l'eau dedans, glouglou. Et donc vous voyez, c'est une faille que j'ai exploitée et que j'ai donc fait passer une rivière à la place. Donc en fait, ça nous fait tout un réseau de rivières, un réseau de comment, de canal, un réseau de voies de circulation navigable en fait, c'est ça surtout. Et donc un grand terrain plat ici. Donc l'idée c'était de commencer les constructions. Dans cet épisode, c'est ce qu'on va faire, il n'y a pas de souci. Et donc du coup c'était pour ça que j'avais besoin d'un terraforming à ce niveau-là, c'était pour pouvoir poser les premiers immeubles. Donc voilà. Alors, ce que je vais donc vous dire un peu ce qui va changer dans l'idée. C'est que, oui, l'immeuble que j'ai fait là, j'ai fait une maquette. Alors j'ai fait une autre maquette un peu à côté, c'était ça que je voulais vous montrer dans cet épisode aussi. Mais au lieu de faire deux quartiers séparés, je crois que je vais pas faire les trois qui sont à l'arrière, et je vais tout simplement relier directement ce bâtiment-là à celui-là de l'autre rive. Tout simplement pour faire une espèce de front de mer comme ça. Enfin, un front d'immeuble en face de la mer. Pour
fait vraiment un effet vraiment, vraiment pété. Et pour l'arrière des immeubles, en fait, on fera un grand... On continuera les maisons, en fait. Toutes les maisons individuelles qui sont ici, on les continuera. Je pense que c'est plutôt ça que je vais faire. Donc, du coup, on va enfin arriver à quelque chose. Ce modèle-là, je l'ai refait en mieux sur la flat map qui est dédiée au test de Project Genesis. En ce truc-là. Voilà. Alors, je vais peut-être enlever les shaders parce que ça fait bizarre. Voilà. Donc, c'est le modèle. Donc, c'est un modèle réduit, encore une fois, de la tour que j'avais envie de faire. Voilà. Donc ici c'est un premier test hein, que j'ai pas poursuivi. Et donc voilà à peu près à quoi ça devrait ressembler. L'idée en fait, c'était aussi de... Je vais voir si je peux pas avoir un petit shader sympathique. Dotto's Dread Light peut-être. Oh non, il est dégueulasse. Il est dégueu, bon tant pis. Donc voilà, c'est un peu le design que j'ai trouvé. C'est-à-dire que l'idée de base, c'était d'avoir un bâtiment courbé. Avec, du coup, une grande paroi vitrée au milieu. Qui ferait office d'ascenseur. Ou du moins de circulation verticale. Que ce soit des escaliers, des ascenseurs, tout ça, tout ça. Avec une espèce d'étalement au niveau du sol pour faire l'accueil et tout ça. Et du coup, à l'arrière, avec une petite route qui permet d'aller à l'arrière du bâtiment, avec deux renfoncements qui serviraient d'une part de parking et de l'autre de tout ce qui est piéton, tout simplement entre ici l'intérieur du bâtiment, l'intérieur de l'accueil ici qui serait donc sur plusieurs étages. Hein, là, je suis très très grand par rapport au bâtiment. Et donc voilà, avec donc le long du bâtiment, ça serait une courbe. Et donc là, à l'arrière, il y aurait une espèce de d'éventrement au milieu pour laisser une grande cascade de verdure, en fait, au milieu. Avec des terrasses hein, de chaque côté. Bon, c'est assez classique, mais enfin, je trouvais ça intéressant. Donc, à l'avant, des grandes vitres comme ça sur tout le long, bon... voilà, donc de la végétation un peu partout. Et surtout au niveau du milieu, du coup, là où va se rejoindre l'espèce de plateforme ici, qui est très mal faite ici, hein, c'est un schéma, de pas oublier. Avec une partie de l'immeuble qui est bouffée, en fait, qui est mangée au milieu, à partir de son milieu. Et on pourra faire des vraies grandes terrasses à ce niveau-là. Une très très grande terrasse, en fait, qui va relier les immeubles entre eux. Je pense que c'est ça l'idée. Et donc, du coup, on va compléter dans cet épisode là. La terrasse ici, parce que j'avais les trois piliers là, enfin les trois trucs ici, je sais pas trop ce que je voulais en faire, et donc du coup j'ai eu l'idée de faire ça avec vous, tout simplement. Alors je sais que cette intro d'épisode a été assez longue, mais c'est vrai que j'avais pas mal de choses nouvelles à raconter. J'essaierai de faire un montage plus... Comment ça s'appelle? Ah, il pleut tout le temps sur cette map. Ah, ça marche pas? Ah, c'est peut-être avec les deux slash. Voilà. Donc, mettons que la mer c'est par là. Donc, on va virer ça. L'idée c'était de faire une espèce de. Comment ça s'appelle? De petite installation en fait sur la terrasse à ce niveau-là. Voilà, c'est-à-dire entre les deux immeubles, hein, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Je ne sais pas encore. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Donc je pense que je vais faire un espèce d'abri en toile hein, qui sera utilisé pour... oui, alors je trouve pas mes mots, c'est génial. Qui sera utilisé donc comme petit abri entre les... Enfin sur la terrasse, sur la grande terrasse géante. Pour pouvoir avoir un abri couvert en fait,
Avec, je sais pas, en dessous, il pourrait y avoir des bars, des piscines, des boîtes de nuit, pourquoi pas. C'est l'idée, en fait, vous voyez, l'idée du truc. C'est un peu comme le... l'idée serait un peu comme la grande terrasse qu'il y a sur les toits de Marina Bay. Marina Bay, c'est un projet à Singapour. Enfin, c'est même pas un projet, d'ailleurs, ce sont des immeubles à Singapour qui sont reliés par leur toit et qui permettent d'avoir une énorme terrasse. Au niveau du toit, je vous mettrai une petite image là d'ailleurs. Et donc voilà, c'est un peu le projet que j'ai envie de reprendre ici. Donc ce que j'avais envie en fait, c'était de vous montrer un peu comment on fait pour bosser sur des modèles réduits comme ça. C'est vachement pratique les modèles réduits parce que ça permet de faire des schémas et de gagner beaucoup de temps du coup. Je trouve ça sympathique. Alors je crois que j'ai fait une connerie. Ouais, bon, ça a passé, je pense. Alors, là, l'idée, c'est juste de mettre des demi-blocs pour représenter une espèce de nappe ou un grand... je sais pas trop comment dire ça, une espèce de truc, voilà, hein, on va se limiter à ça. Un espèce de... ouais, de toit pour une... Ah, comment on dit ? Ça une consonance en L, un machin en L. Oui, je sais, je suis très précis quand je dis ça. C'est la violence, mais une tonnelle, voilà, une énorme tonnelle géante. J'ai galéré, punaise, pour ce mot-là. À ce niveau-là, pour abriter donc tout plein de choses qu'on verra sur le tas. Voilà, donc un petit truc comme ça, peut-être, avec des machins en dessous. Je sais pas exactement encore. Voilà, c'est l'idée en tout cas, d'avoir plusieurs bâtiments comme ça qui sont reliés. Bon, je garde ça en mémoire et on va essayer de construire ça, du coup, pour Projet Genesis, en taille réelle. Donc, on va enfin commencer les vraies constructions. C'est pas trop tôt, vous me direz. On va... ouais, en plus on a la place, donc on va se faire plaisir, on va partir du milieu et on va vraiment faire la tour principale. Alors, la tour principale, je pense que je vais la faire en ascenseur tout simplement, donc je vais pas m'embêter avec des escaliers, hein. Je pense que c'est correct. Donc la cage d'ascenseur, ah oui, alors du coup, ok. Cage d'ascenseur, on va la faire... de cette taille là à peu près, plus ou moins. En fait, j'ai remarqué que le modèle était presque aussi grand que le truc de de base, mais enfin bon, non, je pense pas. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que le bâtiment soit à la taille de la baie, que ça soit pas ridicule à côté, quoi. Donc je pense à peu près à cette hauteur là ça peut être cool. Attendez, je prends un peu de recul pour essayer de voir à quel point faudrait un render distance un peu plus intéressant, un shader aussi un peu plus intéressant, pourquoi pas. Voilà, et auto settings, on y voit mieux. Donc à peu près jusqu'à ce niveau là ça peut être cool, ou un peu au-dessus là, pour le haut des bâtiments. Ça peut être grand aussi. Après, le problème c'est qu'il faut en mettre deux ou trois au moins. Il faut vraiment au moins trois de chaque côté pour être bien. Donc ça serait des bâtiments assez fins finalement, au moins jusque là. Bon, je vais faire, c'est pas ça, je vais faire des tests. Je vais mettre des blocs à différentes hauteurs, un truc qui se voit bien sur le bleu du rouge, le bleu du ciel, hein, pour que je puisse avoir des repères intéressants. Donc maintenant on va le mettre là à peu près. Hop. Allez, envole-toi. Oui, là je fais un gros truc en une grosse ligne en l'air, mais je sais que c'est pas tout à fait intéressant en termes de build. Oula, ouais, non, c'est carrément pas assez haut. Ça c'est sûr. Hop. Allez, on va faire des tests, hein, à la cool. J'ai pas encore vu si j'aurais pu faire des lives. Là, c'est tout de suite plus intéressant.
Effectivement, là c'est plus intéressant. Ils imaginaient trois immeubles comme ça sur chaque côté, reliés comme ça par une espèce de grande terrasse géante. Ça peut être une idée. Et du coup, ouais, d'accord. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser un truc. C'est que le pont ici servirait en fait de route. De route qui passerait devant les immeubles comme ça. Et il y aurait donc des routes ici pour aller sur les parkings souterrains des immeubles. Et tout l'intérieur du quartier là serait entièrement de la verdure et des routes en bois comme ça pour rejoindre les maisons qui elles n'auront pas accès directement à la route en fait. C'est ça l'idée, de faire vraiment un truc cloisonné entre des bâtiments. On va essayer de faire ça. Du coup, voilà. Alors, à peu près avec cette taille-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme bâtiment, vous voyez? Alors, on va commencer par la largeur. Quelle largeur on va prendre? Je vais tester un truc. C'est-à-dire, je vais copier-coller le grand bout de. Le grand poutre rouge, là, la grande tige rouge. Et je vais la déplacer, enfin la mettre à différentes largeurs et je vais voir à laquelle il serait le plus intéressant de mettre la taille du bâtiment. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On va la mettre là pour un premier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 du coup. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est pas ça. Pouf. Voilà. Donc je m'éloigne et je vois à quelle largeur. En tout cas, ce sera pas 40. Hein. Là, je viens de voir. À 20, c'est limite un peu large. Ou alors plus haut, les bâtiments. Ouais, même 20, c'est limite trop large en fait. C'est assez violent. Ah, quoique. Ouais, je vais rajouter de la hauteur. Et je vais faire. Je vais prendre 20 blocs de large, je pense, parce que c'est vraiment pas beaucoup pour un bâtiment. Surtout s'il doit s'étaler encore au niveau du sol. Je crois que. Je risque d'être limité au niveau de mon quartier, là, si je prends des bâtiments de cette taille. Non, mais je pense que je devrais me débrouiller quand même. Je devrais réussir à me débrouiller. Donc, attends, l'idée, s'il y a une route qui doit passer à ce niveau-là, ou limite sur le truc ici, je vais faire comment pour prendre un virage moi? Parce que le truc il est en pointe ici. À la limite, je fais une route qui fait un demi-tour ici tout simplement. Voilà, je m'emmerde pas. Oui, non, voilà, je n'ai pas. Oui, non, j'avais pas pensé à ça tout de suite. Genre la route qui s'arrête ici, tout simplement. Bon. Sinon, un bâtiment de cette hauteur, je vais faire plus grand. Je vais élever un peu les. Donc. J'enlève les deux machins qui servent à rien. Je vais voir si comme ça donne un aspect sympatoche. À la limite, faire différentes hauteurs selon les immeubles. Aussi. Pourquoi pas. Ah là, oui! Là, tout de suite. Là, tout de suite, c'est plus sympathique. Effectivement. Genre, pas tous les bâtiments à la même hauteur, mais vous voyez, une tour plus petite sur le côté, une moyenne à ce niveau-là, une grande au milieu, et une grande ici. Le problème, c'est qu'après, il faudrait être relié avec les plateformes, avec les terrasses. Ça risque d'être plus compliqué. Je ne sais pas. Bon, bref, on va en commencer une déjà. Ça sera déjà pas mal. Donc, on va partir sur une base en blanc. Hop. Alors ça, certains pourraient peut-être se dire que c'est le genre de réflexion que je pourrais avoir en hors caméra, mais c'est complètement dans l'esprit de la construction. Hein, c'est, il y a un effet de flou qui est assez désagréable.
Comment je fais pour enlever ça? Ouais, c'est mieux. Bon, hop, on va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, voilà. Un petit carré. Ça fait vraiment pas beaucoup, hein. Mais sinon, j'aurais pas la place pour les autres trucs ici. Je suis perplexe. Ah, mais sinon, ça fait bizarre. Parce que si l'immeuble est pas assez grand, moi, ça va me faire bizarre aussi. Je suis en pleine réflexion, là, les gens. Allez. Ça fait 1, 2, 3. Ouais, bon, bah, je vais partir comme ça, du coup. Parce que, ouais, bon, ok. On part là-dessus. Hop. Hop. Donc, move 5 aussi. Ok, voilà. Et ok. Bon, ça sera un immeuble pas très... Enfin, qui aura une un bon effet, je pense, au niveau du port. Mais c'est vrai qu'il sera pas si grand que ça, finalement. J'aurais cru plus grand, effectivement. Bon, c'est comme ça. Heureux. Donc, on va faire les courbes, en fait, de... du bâtiment, mais du coup les ombres projetées par les espèces de piliers en rouge là, ils m'empêtent, donc je vais les virer et je vais juste garder un plot au niveau du haut de la tour pour pouvoir tout simplement garder un repère, hein. Hop. Donc j'ai pas changé les shaders d'ailleurs, j'ai fait plusieurs tests de shaders en fait parce que builder avec le flou comme ça, ça m'était pas... Elle m'intéressait pas trop, mais en fait, bon, j'en ai pas d'autres, pas de mieux en tout cas. Peut-être si. Vous me dites-moi dans les commentaires celui que vous préférez, parce que j'en ai d'autres aussi, du coup, les Mr. Smith. En ultra par exemple. Eux, ils ont une teinte un peu plus. Un peu différente. Bon. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ultra plus peut-être. Pas l'impression que ça change grand chose. Voilà, c'est une teinte vraiment différente, hein, suivant les shaders, c'est assez rigolo. Alors de voilà, je vais arrêter de changer tout ça. Et passons. Du coup voilà, on va faire la la courbe comme ça, ok, qui va rejoindre tout jusqu'en haut là-bas. Alors ça sera pas forcément à ce niveau-là qu'on va devoir s'arrêter, mais il y a de l'idée en fait. Voilà. Bref, je sais que je suis pas très précis dans ce que j'invente, mais ça c'est habituel. Hein. Vous me connaissez trop bien maintenant. Hop. Ah, c'est vraiment pas très courbé. On va voir. Hein. Hop. Hop. Donc si je m'arrête là, est-ce que ça donne quelque chose d'intéressant? Il y a un décalage de 2-3 blocs en fait au final du coup entre la base et le haut. Mais ça c'est absolument pas grave. Ouais, j'aurais préféré une courbure un poil plus... Voilà, hein. Un poil plus ambitieuse, on va dire. Donc on va partir de là. Hop, pouf pouf. Ouais non, on va la virer, vous savez quoi. On va la refaire. Oups.
On va essayer d'avoir un peu plus de décalage, genre 5-6 blocs de décalage au niveau du haut. Et on va faire ça tout simplement. Hop. Donc là on a 2 blocs de décalage. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. 3, 4, 5, 6. Est-ce que notre courbe est sympa déjà? Est-ce que notre courbe est bien? Ouais, il n'y a pas trop de soucis. Peut-être à ce niveau-là. Rajouter un bloc. Augmenter la prise à ce niveau-là. Enfin, la longueur. Et ramener. Elle est toute décalée la courbe en fait. Il faudrait que le truc qui soit vraiment le plus décalé par l'arrière que possible soit soit un peu plus bas. Quand même. Hein. Donc c'est des tests, hein. Je fais plein de tests. Y a pas de soucis, on n'est pas pressé non plus. Ou vous pouvez switcher au niveau de la vidéo hein, aussi. Donc y a pas de soucis. Moi je prends mon temps. Je vais prendre mon temps dans cette série, hein. Vous savez quoi? Je vais prendre mon temps. C'est vrai que ce genre de truc serait plus sympa à faire en live. 3, 4, 5. Hop. Ok. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, j'arrive pas à toucher le bon cube, voilà. Donc, est-ce que là, tout de suite, ça rend quelque chose de plus sympa, ou... ma foi, oui, il y a besoin de quelques corrections, quand même, à ce niveau-là, notamment. Histoire que la courbe soit vraiment bien intéressante à manipuler. Pouf, pouf. Alors, est-ce que une courbure comme ça peut être intéressant? Sachant que la courbure qui va être à l'arrière du bâtiment soit un peu plus élevée pour avoir un toit un peu en pente comme ça. Voilà. Donc on va faire ça. Ouais, bon, ok, on va partir là-dessus. Et on verra bien. Hop. Ok. On va prendre les mêmes courbures pour le début. Et c'est à peu près au niveau du milieu où on va faire un truc un peu plus large. L'effet de flou est pas terrible hein, pour construire, j'avoue que c'est vraiment un peu désagréable. Hop, donc ici on est un poil au-dessus du truc. J'arrive pas à cliquer, c'est chaud. J'arrive pas à cliquer sur les trucs. Enfin, sur les trucs, oui, je parle très bien, moi aussi. Alors, du coup, on va faire une inclinaison du toit de 2 blocs par 2 blocs, je pense. Un truc comme ça, ça peut être sympa. Hop. Hop, hop, hop. Et, oh bah tiens, ça atterrit nickel. On dirait que c'est fait pour. Voilà. Là, pour le coup, on est bien. Ouais, ça pourrait être plus ambitieux quand même, mais le problème c'est que, eh bien, je crois que j'ai visé trop petit au niveau de mon quartier aussi, de l'endroit que j'ai aplati, j'ai terraformé. Ça sera trop petit, je pense, et je pourrais pas faire de trucs plus grand que ça. C'est problématique. Mais bon, bah tant pis. Hein. De toute façon, comme on a pas mal de maisons à faire aussi, ça devrait aller. On va combler le terrain assez rapidement, finalement. Hop. Pose 2. Oui. Scratch.
Alors, on copie les deux côtés et après on va relier histoire d'avoir une idée de ce que ça va donner. On va construire le squelette en fait de la tour avec donc on va relier les bouts histoire de voir ce que ça va donner. On va construire le squelette de la cage d'ascenseur ainsi que le squelette de là où va se trouver l'emplacement des terrasses du milieu, en tout cas du bâtiment. Et on va faire ça. Alors, du coup, il y a aussi le petit truc. Est-ce qu'on courbe cette. Est-ce qu'on fait une courbe de ce truc-là aussi? Genre ça là. Est-ce qu'on n'en fait pas une petite courbe? Très légère limite, hein. Toi? Oups, un truc juste comme ça. Avec des surélèvements de chaque côté. Davantage presque qu'une courbe. 1, 2, 3, 4. On va faire ça. 4 ou 5 même de chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Whip. Donc voilà. Alors je précise quand même, hein, cette série, ça va vraiment être du test. Voilà, hein, il y aura beaucoup beaucoup de tests. Beaucoup de choses qui vont être essayées, testées, ratées, hein, et donc recommencées aussi. J'espère que ça vous ennuiera pas trop. En tout cas, c'est vraiment le but de la série. Il y aura des tutos dans la série. Je pense que les différentes maisons que je pourrais présenter, je les ferai en tutoriel, hein, parce que sinon, il y en a encore plein qui vont râler dans les commentaires. Je ferai les maisons hors caméra ou en live, hein, suivant si j'arrive à faire des lives. Et à ce moment-là, hop, 2, 3, 4, attends, 2, 3, 4, 5. Et à ce moment-là, du coup, sur YouTube, ce sera des tutoriels. Et en live, ce sera plein de tests. On va voir, on peut tester, on peut tester. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Donc je m'aligne avec l'autre en face, ici. Hop. Voilà. Donc voilà, je vais essayer donc de rallier, alors de copier une partie du truc. Alors si je copie à partir de là, plutôt à partir de là. Mais non, en fait il y a les deux. Donc je vais faire pouf, paste et pouf, paste. On va voir ce que ça donne. D'accord, oui, donc le premier a annulé le deuxième, enfin plutôt l'inverse, le deuxième a annulé le premier. Bon, enfin bon, tant pis. Hop. Paste. J'aurais dû faire des pastes moins 1 en fait. Oui, bah tiens, je sais ce que je vais faire. Hop, pouf pouf. Paste moins 1. Je rappelle l'utilité du paste moins 1, elle paraît réussie d'ailleurs, c'est enfin de faire un paste, c'est-à-dire de coller votre sélection sans les blocs d'air. Et donc vous voyez, on a un doublement de notre truc, de notre position. Hop, passe moins ça. Et on a notre tronche de bâtiment. Ouais. Alors faut pas oublier qu'il va y avoir un étalement au sol un peu plus important, notamment à l'avant avec tout l'accueil et tout ça. Et à l'arrière aussi, avec une terrasse renfoncée dans le sol et un parking. Un parking, un parking. Donc voilà. Alors à ce niveau-là, au niveau du toit, en fait, il y aura une terrasse sur deux étages. Il y aura plein de terrasses dans tous les sens, hein, ça je vous le garantis. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc je n'ai pas du tout calculé la largeur du truc. Donc ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc c'est bien parce qu'on a un truc impair. Ça aurait été un truc pair, ça aurait été bien aussi, tu me diras. Donc, attends, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e. Le 8e, c'est le bloc du milieu. Donc, on en met deux de chaque côté. 1, 2, pouf. Est-ce que ça fait quelque chose de bien, pas bien? Oui, non, peut-être. Bon, on va tester. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Une cage d'ascenseur. Peut-être arrondie, la cage d'ascenseur. Ouais, je vais foutre des arrondis partout, moi, je crois. Des courbes en tous les sens. Est-ce que ça fait quelque chose? Faut imaginer encore une fois, hein. Parce que pour l'instant,
Ouais, non, je vais pas pouvoir. Donc je vais devoir refaire la courbe avec avec le verre du coup, le verre qui va donc être tout le long de la cage d'ascenseur. Et on fera, je pense, on va faire, je pense, après tout ce qui est charpente visible sur le bâtiment. Si vous connaissez, on a déjà fait des vidéos avec un mec qui s'appelle Visual Play, qui en fait utilise vachement cette technique-là de charpente visible dans les bâtiments pour l'utiliser comme un élément de décor à part entière. Et je trouve ça super intéressant. D'ailleurs, Visual Play, si tu regardes cette vidéo, coucou à toi, hein. Alors, qu'est-ce que... Oui. Ici, en fait, au niveau du dernier truc, on va prolonger la cage d'ascenseur, quitte à avoir en fait le dernier étage de la cage d'ascenseur qui va être qui va coller avec enfin, on va pouvoir accéder à ce niveau au toit directement avec la cage d'ascenseur qui va dépasser légèrement de cette partie-là au niveau de l'avant du bâtiment. Voilà. Donc du coup, si là on est au niveau du sol, imaginons, je vais faire au moins un ou deux blocs de plus, ce qui n'a aucun sens. Ce qui n'a aucun sens, je sais bien, parce que du coup, si on a une cage d'ascenseur à ce niveau-là, normalement, il faut pouvoir avoir un mécanisme au-dessus pour pouvoir tirer la cabine, en fait, tout le long du bâtiment. Et donc, du coup, là, s'il n'y a rien du tout au niveau du dessus, eh ben, il n'y a pas de truc pour pouvoir tirer. Donc, comment est-ce fait la cabine pour se déplacer? C'est un problème du bâtiment, effectivement, dont on va avoir absolument rien à foutre. Voilà. On n'en aura strictement rien à foutre parce que ça fait pas design, parce que ça m'embête dans mon circuit, enfin voilà, dans ce que j'avais projeté de faire, ça m'embête, donc je vais pas le faire, tout simplement. Voilà, j'ai pas besoin d'être à 100% réaliste, hein, on est sur Minecraft non plus, faut pas déconner. Hop. Et je l'ai dans le fion parce que ça colle pas au niveau du sol. D'accord, qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié la dernière partie. Ici, d'accord, donc en fait, non, ça va. Je m'étais pas trop viandé, ça va encore. C'est chiant sans les shaders. Sachant que je peux en mettre et que je les utilise pas. C'est quoi ce machin? Kipros bœuf, machin. Allez, on va garder celui-là pour la fin de la vidéo. Ouais, bon, bref, je compléterai ça hors caméra parce que faut pas déconner non plus. Et on va monter le long du truc. Donc, hors caméra, je pense que je vais combler les trous en vide, hein, tout simplement. Ou peut-être pas, d'ailleurs. Je vais enchaîner directement avec le deuxième épisode. Parce que pourquoi pas. Ah! Non, avec l'épisode de 4, du coup. Pause 2. Ok. Ouais, oups! J'ai failli pas pouvoir me rattraper. C'est bizarre, selon les shaders, j'ai l'impression que le soleil il bouge. C'est bizarre cette histoire. Alors, je suis où? C'est là? Ça a l'air. Copie. Copite. Non. Paste. Voilà. Tout à fait, d'accord. Donc manque un bout qui n'a pas été pris par la sélection. Ok. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que sur mon modèle, il y avait des problèmes aussi. Au niveau du milieu notamment, parce que la cage d'ascenseur, elle est coupée sur mon modèle. Alors que j'ai pas envie qu'elle soit coupée dans l'idée. Y a des soucis. Mais admettons, on a cette structure-là pour le bâtiment, hein, pour le début. Est-ce que au niveau du sol, ça peut faire quelque chose d'intéressant? Ça peut faire quelque chose d'intéressant, effectivement. Admettons, on s'imagine, hein, toujours, là on est dans des expériences de pensée plus qu'autre chose.
On copie que... Enfin, on imagine le bâtiment fini par rapport au modèle. Hein. Vous imaginez le modèle que je vous ai montré tout à l'heure. Vous imaginez, c'est cette taille-là. On le duplique ici en trois parties. Donc trois de chaque côté avec une... un truc au milieu, là, pour... une terrasse centrale qui a entre les bâtiments. Qu'est-ce que ça peut rendre? Je sais, c'est pas très français ce que je viens de dire, mais... Donc on imagine, est-ce que ça peut, tu vois? Moi je dis, il y a moyen de moyenner quand même. Hein. C'est très difficile là pour le coup de se projeter, je suis d'accord. Bon, on aura fait notre structure dans cet épisode. C'est vrai que j'ai fait une longue exposition. J'espère que ça ira pour vous. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite à tous un très bon jeu. Bon vent matelot, et vous inquiétez pas, cette série va être... peut-être longue et un peu lente, mais vous avez deux épisodes par semaine, donc au bout de... Si vous regardez qu'un seul épisode par semaine, vous allez voir que ça avance pas mal. Je pense. Voilà. On va prendre notre temps. Y a pas de soucis, y a pas de façon de... Y a pas de... De trucs pour se presser. Voilà, je sais plus. Trouver un mot, compléter ma phrase, voilà. Bon, je suis fatigué. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite à tous un très bon jeu, bon vent matelot, et à la prochaine.